L'association Ecovélo Nîmes offrait son 200e vélo à un Nîmois en recherche d'emploi dans le café social Chez Mémé dans le quartier Gambetta. Une belle occasion pour son fondateur de nous expliquer comment lui est venue l'idée de cette initiative. Et en fréquentant les déchetteries, souvent j'ai vu des vélos qui étaient jetés en plutôt bon état, voire chez mes clients des vélos qui étaient inutilisés. À côté de ça, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. J'ai dit, mais il faut faire quelque chose, quoi. Personne qui faisait rien. Donc moi, j'ai juste connecté les deux, les vélos non utilisés et les gens qui en avaient besoin. Ludovic a remis le 200e vélo réparé à Gaël devant les partenaires de l'association. Il souligne l'importance de cette étape symbolique. Donc pour nous, c'est hyper important d'avoir permis à 200 vélos non utilisés, voire même qui risquaient d'être jetés, d'être remis à des gens qui n'ont clairement pas les moyens de s'en acheter. Gaël nous explique désormais quel usage il va faire de son nouveau vélo. De chez moi aux boîtes d'intérim et là où je postule la plupart du temps d'ailleurs, où j'allais avant à pied, ça sera plus rapide. Gaël est reparti avec son vélo d'occasion et sa petite famille. Du lien social et une idée simple pour que la roue de la vie tourne enfin. Nos bicyclettes, puis on se roulait dans les champs. Faisant naître un bouquet changeant.